J'avais une ferme dans le Berry, près de Boussac. J'y élevais quelques brebis à l'herbe en vrac. Une cinquantaine de vaches laitières, un grand âne noir sur sa litière, des champs de blé et de lentilles faisaient vivre notre famille. Malgré le dur labeur, la peine, j'étais heureux jusqu'à ce que vienne ce jour maudit où l'ordre vint de tout quitter le lendemain et prendre un train pour faire la guerre, défendre l'honneur de nos pères. Pourquoi nous avez-vous volé nos vies, pris nos enfants et nos maris, sans nous demander notre avis? Il a fallu qu'on obéisse, nous qui n'avions rien décidé, qui nous moquions des politiques. Notre vie était bien tracée, mais de quel droit l'avez-vous prise? Défileur dans une usine près de Roubaix, je passais 10 heures en machine sans les compter. Placer les grosses bobines de laine au départ de la grande chaîne qui est tirée plus de 100 fois, devenait doux comme de la soie. Ce dur labeur ne rend pas riche, oui mais le soir près de ma biche. Puis ce 3 août, consternation, des affiches, mobilisation. Il faut quitter femme et enfant, servir la patrie de son sang. Pourquoi nous avez-vous volé nos vies, pris nos enfants et nos maris, sans nous demander notre avis? Il a fallu qu'on obéisse, nous qui n'avions rien décidé, qui nous moquions des politiques. Notre vie était bien tracée, mais de quel droit l'avez-vous pris? Qui nous moquions des politiques, notre vie était bien tracée, mais de quel droit l'avez-vous pris? L'avez-vous pris?